Salam alaikum ya salam. Chicha à l'appareil. Comme vous pouvez vous en rendre compte, je suis en train de dormir et je fais un rêve comme quoi je fais une vidéo sur YouTube. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et j'ai des choses qui m'empêchent de m'occuper de ça. J'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire assez importantes et tout ça. Donc voilà, j'ai pas fait de vidéo. J'ai pas fait de vidéo comme je faisais avant et tout. Ça me change aussi, franchement, parce que c'est vrai que quand on fait que ça et qu'on s'occupe des vidéos et qu'on regarde tout le monde et tout ça, des fois ça prend trop de temps et tout ça. Donc voilà, ça change aussi. Franchement, je vous avoue aussi que ça change aussi de certains commentaires et tout. Et je vous jure que il y a des gens, c'est des vrais malades en fait. Des vrais malades. Ou un bel homme, ils sont normaux et tout. Ils viennent, ils te donnent des leçons, ils t'expliquent et tout. En fait, c'est des vrais malades. Et Naslis Bou, etc. C'est terrible en fait. Des gens qui sont violents. En fait, il y a trop de violence. Voilà, c'est ça le truc. Moi, des fois, ça me désespère quand je reçois, je sais pas, mais par jour, par exemple, je reçois 10 à 15 messages d'insultes gratuites de personnes que je ne connais pas. Ils me connaissent pas, mais ils m'insultent quand même. Et des fois, j'ai envie de prendre ma webcam et de faire une vidéo, mais t'as ben, mais t'as ça, win. Oui, je règle mes comptes. Oui, je leur pisse dessus à chaque fois. Mais bon, il faut pas faire attention, c'est vrai. Il faut pas faire attention à tous les débiles qui sont dans le coin. Mais bon, c'est vrai qu'on peut pas être insensible. Quand un de quoi dit se bec, c'est pas grave. Un de hamar, il se bec, c'est pas grave. Zouj, il se bec, c'est pas grave. Mais 10, 20, 30, il y a à force, ça travaille. Oh là là, des fois, ça me travaille. Des fois, j'ai envie de régler mes comptes. Mais bon, c'est ça en fait, quand on se montre sur internet et tout ça, on va dire au gars mhebel, les malades mentaux et tout ça, et qui viennent te faire la leçon et tout. En fait, pourquoi je dis c'est des mhebel, pourquoi je dis c'est des débiles mentaux et tout? Parce que c'est pas cohérent. Lequel un de Kness, il dit ouah, il se bug par exemple, on va dire t'explique et il argumente, etc. Là, à la limite ça a un sens, et pourtant il faut me laisser je te bnaise, je me dis je te bouhed, elle m'a subi ta bouhed, je donne mon avis et tout, mais c'est des gens, ils sont incohérents, halota balota, mais ils haltoha mita ça, tu vois. Par exemple, il te donne des leçons à l'islam et tout, ou bien qui te chauffe la page ta ou mamra, des vidéos porno, des vidéos ta bnet. تاع لي كاباري ايتترا هو يجي يسبك ويقول لك ربي قال والاسلام وانت ماشي مسلم دابا دابا يا اخي يا اخي حمير يا اخي vous êtes des vrais malades mentaux, je sais pas quoi dire d'autre, des débiles mentaux. Et voilà, c'est خليونا tranquille. Des fois والله العظيم لو كان, parce que je sais aussi qu'il y a des gens super sympas et je tiens à les saluer en fait, à leur dire sahitou el khawa. Heureusement qu'il y a des gens normaux, ناس عاديين, ناس نورمال في عقلهم, صافا ماشي مخلطه في عقلهم, سي با البصل اللي عندهم في عقلهم. اي سا سي بيان باسكو كاينين بزاف ثاني, اي جو لي ريميرسي, جو ريسوا دي ميساج اي تو, جو فو ريميرسي كاع يعني. مي لي مالاد مونتو هذوك والله العظيم دي فوا جو مو دي, باسكو سي فاتيغون, سا مفاتيغ انايا. دي فوا جو مو دي جو في فير دي فيديو اي جو في اريتي لا فونكسيون كومونتير, كوم سا جو في مي فيديو ترانكيل. Tu vois, mais j'ai il m'énerve, personne va venir m'énerver pour rien. En plus, si les gens ils sont capables de débattre, mais les gens qui savent pas ce que c'est que le débat, et puis il faut pas m'expliquer ce que c'est que le débat, rahm cheikh, tu m'expliques c'est quoi le débat? Wahed yji qouli itayh li bima w yqouli ma tzaafch, c'est-à-dire ne le prends pas mal, tu es vulnérable, non, tu es susceptible, etc., parce que je ne fais que te donner mon avis. Tu te yahli bima ou t'qouli je te donne mon avis. Yahi Hamir, yahi les débiles mentaux. L'école algérienne elle a fait des massacres. Des massacres. Oulala, c'est des choses que tu rencontres pas ailleurs.
Elle est عند الجزائريين. C'est comme ça. L'école algérienne, elle a formé des débiles mentaux. Mais heureusement. Mais elle a formé trop de débiles mentaux. Voilà. Et à part ça, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ben, pas grand-chose. Juste saluer tout le monde. Je voulais dire ça, en fait, parce que ça tourne dans ma tête. Peut-être que si j'ai dit ça, on va être kinoulé. Les prochaines fois, j'aurai des sujets à traiter. Je finis juste en disant, El Khawa, arrêtez de vous bagarrer. Arrêtez de vous bagarrer. Vous avez des problèmes perso. Réglez-les dans votre vie. Ne venez pas les régler sur Internet. Il y a une amie qui m'a dit une fois sur Internet, je sais pas, il y a eu un malentendu entre nous et tout. Bah, je lui ai dit, j'espère que, d'abord je suis désolé, c'est un malentendu qu'il y a eu et tout, et j'espère que tu vas pas te prendre la tête pour ça. Et elle m'a donné une superbe réponse en fait. Elle me dit, t'inquiète, moi sur Internet je me prends pas la tête, tu vois. Si je dois me prendre la tête, je me prends la tête dans la vraie vie. Mais je suis sur Internet, ma'anas manar fhomj, ma'anas c'est des anonymes, des pseudos et tout. Elle, je me prends pas la tête avec eux. Et ben c'est ça aussi. Je vois qu'il y a des gens, ils se bagarrent sans arrêt en fait. Il y a Dniyatahom, c'est la bagarre. Et s'il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de vie. Et je les vois en fait. Wana, wunta. Arrêtez de faire ça, oh là là, vous êtes des clowns. Des clowns. C'est tout. Voilà, salam alaikum. Et je retourne dans mon rêve. J'ai rêvé que j'ai fait une vidéo sur YouTube. Voilà, salam alaikum. Sahito.